un très bon soldat. Il est américain d'origine guinéenne. Aujourd'hui, nous avons vu des individus malsains poster sa photo pour dire qu'il a été arrêté, pour décevoir, pour décourager, démotiver les soldats, les patriotes. D'où ma vidéo ce soir-là. Parce qu'avant-hier, là, non, bien avant le jeudi, le dimanche, moi, il m'a envoyé un message. Il a envoyé à plusieurs personnes des messages. Donc, moi, j'ai été surpris. C'est un ami même qui est un ami. Il y a une sœur aussi qui m'a envoyé sa photo. Une sœur qui est en contact avec lui à tout moment. Donc, celle-là a été surpris. Mais dès qu'il m'a envoyé, j'ai dit, écoute-moi, écoute-moi. On sait combien de fois le monsieur aujourd'hui est en bonne position. C'est pour démotiver, décourager les vaillants soldats, les militaires. Comme ils ont mis les chars partout, nous avons expliqué à la population que ces chars-là ne fonctionnent pas, ne sont pas importants. Maintenant, il faut découper parce qu'ils ne connaissent pas MB. Ils ne connaissent pas MSP. MB, là, lui, c'est une personne. Mais MSP, c'est un groupe de personnes qui sont des anciens amis de Lumbuya. L'ossature, la base même des forces spéciales. Mais comme ils nous entendent parler d'Ablaye Cissé, ils sont allés sortir sa photo. Ils ont mis, je vais vous montrer. Le voilà ici, c'est lui. C'est lui, regardez-le très bien. C'est lui. C'est un bélé-bélé-bas, c'est un homme, il n'a pas la taille. Regardez-le très bien. C'est de lui aujourd'hui, Doumbouya a peur de plus. Vous savez, c'est la première personne. C'est lui qui a été arrêté. Vous savez, c'est lui, Bala Samoura, et Commando Farin sont partis chercher à Tanéné. Mais il faut demander à Blaise, demander à Commando Farin ce qui s'est passé là-bas. C'est lui qui a mis, il a mis Commando Farin KO. Il a fallu des tirs, plusieurs tirs, pour qu'il accepte et puis permette à ses amis de fuir. Il y avait beaucoup de militaires qui étaient avec lui, qui sont aujourd'hui au Sénégal, d'autres sont en Gambie, d'autres sont en Guinée-Bissau. Mais le rôle qu'il a joué ce jour-là, c'est qu'il a fait ce jour-là. Il a fait de sorte que, merci beaucoup, Mame Diop, de sorte que les autres puissent fuir. C'est très intelligent parce que lui, déjà, il faut qu'il se rende pour protéger le groupe. Ils étaient à Tanéné. C'est un de leurs qui les a vendus. Et plus l'épouse de Alia qui était en contact avec Amara et Doumbouya. Cette communication-là, c'est à travers ça, ils l'ont localisé, ils ont su ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il y a un individu malsain qui est parti prendre sa photo et écrit des conneries. Et lui que vous voyez comme ça, j'ai dit, c'était le dimanche, il m'a écrit. Je lui ai répondu, il dit, bon, je t'appelle tel, parce que il sécurise la ligne avant d'appeler. Il dit, je t'appelle. Le mardi, au moins, juste vers entre 10h et 12h, il m'a appelé. Le mardi là, qui vient de passer, il m'a appelé. Voilà, il m'a appelé. Il a appelé la soeur là aussi. Donc, je ne sais pas. Regardez, c'est lui. Il y a plusieurs photos de lui. Même le mardi, le soir, la soeur m'a envoyé plusieurs de ses photos en tenue militaire. Il y a une photo, il est en train de prendre du poids, il est en train de faire que prendre du poids. Voilà. Il est en train de prendre du poids comme ça. Donc, voilà, pour décourager les militaires, parce que les gens sont motivés, au cas où le peuple aurait, c'est-à-dire, parce que le peuple va sortir, les gens vont sortir, mais connaissant les forces spéciales, le bata, le GIR, les autres militaires là qui sont avec le peuple là, eux aussi sont prêts à venir en appui sur le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais lire ce qu'il a écrit. On dit, ah, si c'est aussi dans la main de l'Aïmadi. C'est pour décourager. Ah, si c'est aussi dans la main de l'Aïmadi. Comme le cas du commandant Ali Camara, depuis des mois, soi-disant militaire de la Basse-Guinée, influent, impossible de les utiliser
est manipulé pour des intérêts. D'abord, regardez ses phrases sont décousues. Vous comprendrez, c'est quelqu'un qui a pris la photo. Et certainement, c'est un militaire des forces spéciales qui a mis ça, ou bien Doumbouya, même en Père, ou bien Amara, pour décourager. Parce qu'aujourd'hui, les militaires ne font que parler de lui. Tous les militaires ne font que parler de lui. Il n'y a que quelques groupes qui connaissent bien MB. MSP, là, c'est un groupe militaire. Mais MB, lui, c'est quelqu'un qui connaît bien Doumbouya, que Doumbouya aussi connaît très bien. Mais Doumbouya ne le connaît pas. Voilà, c'est-à-dire il ne sait pas, il ne sait pas de qui il s'agit. Mais Abdoulaye Cissé, même son voyage en Sierra Leone, c'est parce qu'on avait dit qu'Abdoulaye Cissé était vers la Sierra Leone. Ils ont fouillé tout le Bagata. Il n'y a pas un coin dans le Bagata où ils n'ont pas fouillé à sa recherche. Ils n'ont rien trouvé. Voilà. Donc je vais lire qu'A Cissé aussi, dans la main de l'Aïmadi, comme le cas commandant Ali Camara, depuis des mois, soi-disant militaires de la basse Guinée, influents, après il dit impossible de les utiliser et manipuler pour des intérêts personnels, donc il faut les écarter en les mettant en prison. Selon les informations, il a été arrêté, torturé jusqu'à perdre un œil. Vous avez entendu, hein? Tellement que ce sont des menteurs, que selon les informations, il a été torturé jusqu'à perdre un œil. Et c'était en prison à Kassa. Mais Dieu est grand, Inch'Allah. Pasteur, comment va-t-il créer le menteur comme ça là. Que lui là, il a été arrêté. Il dit selon les... Comme lui dit, Onoï Alagi, Masali Onoï, il dit selon... Comme il dit que selon les informations, ce qu'il dit, il dit selon les informations, selon... Il a été arrêté et mis à Kassa et puis juste, il a été torturé jusqu'à perdre un œil. Mon ami, c'est parce que je ne veux pas faire capture d'écran d'appel WhatsApp, lui et moi. Sinon, la prochaine fois, il va m'appeler. Je dis, grand, il faut appuyer ton WhatsApp. Il va appuyer son WhatsApp là. Je vais mettre ça sur la toile. Ce jour-là, Doumbouya ne va plus dormir. Parce que jusque-là, il y a certains qui le disent, non, il est comme ça. Il n'avait rien compris. Le voilà, hein. Et voilà. Voilà. Regardez-le très bien. Il a toujours le chapelet. Toujours le chapelet comme ça. Lui, c'est comme ça. C'est un reliquat. Ce n'est pas un cafre. Donc, chers soldats, ouais, elle va très bien. Chers soldats, Kam Makambo, Kam Alpha Yaya, Kam Béanzin, écoutez-moi très bien. Voilà, je vais, ce soir-là, il a reçu mon message vocal. Il va certainement me rappeler. Voilà, parce qu'il m'a fait OK comme ça, il m'a fait OK. Donc, il va me rappeler. Quand il va avoir une très bonne position, il va m'appeler. Je vais dire, bon, grand, permets-moi de faire capture d'écran là, de l'autre WhatsApp là. Je vais mettre ça, je vais vous envoyer, vous les soldats, avant le 9 mars, je vous promets. Vous allez donner ça à vos camarades au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je vous envoie ça. Ce n'est pas moi qui s'est choisi. Le grand là, il me fait confiance. Celui qui avait demandé mon numéro à une dame. La dame lui a remis mon numéro, il m'a appelé. Le jour, il m'a appelé, il dit, c'est commandant Cissé. C'est ton frère Cissé. J'étais dépassé. C'est-à-dire, parce que je le connais personnellement. Mais de fait, c'est lui qui m'appela, non, j'étais dépassé de joie et d'amour. Il dit, on est ensemble, maintenant il faut te préparer. À chaque fois, je vais te donner les informations, tu les passes pour moi, pour tout le monde. Ne t'en fais pas. Ça, c'était juste 10 jours avant, et après avoir quitté le camp Alpha Yaya devant tout le monde. Ses amis qui sont au Sénégal, en Gambie, là, je vais faire passer 2 sur ma page au téléphone. Vous allez les écouter. Donc, n'écoutez pas. Ce sont des fausses informations. Vous comprenez? Il va très bien. Voilà. Parce que depuis que les gens ont vu le poste, il y a 2 ou 3 comme ça qui m'ont dit, grand, vous êtes des soldats. Restez tranquille. Vous avez dit, selon les informations. Kassala.
Partout aujourd'hui, là, nous avons des personnes qui travaillent avec nous, même au niveau au sein des forces spéciales. Le premier groupe, on les a envoyés à la frontière. Même le groupe qui est arrivé comme ça, nous avons des personnes dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, restez tranquille, préparez-vous. Voilà. Personne n'a demandé votre participation le 9 mars. Nous avons juste demandé une protection. Voilà. Au cas où ils vont nous brutaliser là, vous devez venir. Voilà, vous devez agir. C'est tout. Voilà. Donc, le voilà encore une fois, le voilà. Il y a beaucoup de ces photos-là, mais c'est dans la page. J'ai oublié d'aller transférer dans ça, là. Vous montrer. Demain, Inch'Allah, je vais vous montrer. Mariam Diallo, comment vas-tu? Je vais vous montrer ces photos où il est en train de faire le sport. Beaucoup vont se taire. Grand Nakani Manaobé, on a contrôlé tes mains. Waouh, photo Begbetomane, le voilà. C'est l'homme-là aujourd'hui qui rend l'insomnie, qui donne l'insomnie à Mamadi Doumbouya. Voilà. Commandant Abla Sissé. Ça, c'est les anciens de l'ancien Lacombe. C'est des soldats qui ont été très bien formés. Lui-même, à un moment, Alpha Condé ne voulait même pas le voir. Tellement qu'Alpha Condé le connaît, vous ne voulez même pas le voir. Regardez les très bien. Donc, il va très bien. Voilà, ne vous en faites pas. Le poste là a été fait par un individu malsain. Regardez le poste. Voilà. Un individu malsain. Voilà. Bon, moi, je t'ai pas vu ici, là. Sinon, j'allais te saluer pour que tu me laisses tranquille. Voilà. Donc, je voudrais dire à M. Gomou, M. le Premier ministre Gomou, moi, je te comprends. Voilà, je te comprends. C'est normal. Voilà. C'est logique que tu t'agites comme ça. Parce que tout ton souci, monsieur le Premier ministre, petit Gomou, ton souci, général, comment vas-tu? Bintou m'a dit, comment vas-tu? Ma femme chérie. Ton problème à toi, Gomou, c'est que dès qu'il y a un dialogue inclusif, tu sautes. Parce que, à la suite du dialogue-là, ce qui doit être demandé, c'est de trouver un prime de consensus. Voilà, un peu de consensus. Mais tu as vu, non, toi, tu ne connais pas l'étranger. Tu n'as pas de relation à l'étranger. Mohamed Biavogui, lui, il a les relations. Tu as vu, il est réparti en Italie. Tranquillement, il est là-bas. Toi, tu ne peux pas bouger. Non seulement, quand tu seras remplacé, Doumbia ne va jamais accepter que tu quittes la Guinée parce que tu es rempli d'informations. L'autre a pu trouver des arguments pour quitter le pays. Mais toi, tu ne peux pas partir, hein. Tu es trop informé sur le CNRD, donc tu ne bougeras pas. Voilà. Donc voilà, tu dis, toi tu n'as pas trouvé d'autres conseils à donner à tes ministres et autres là, de regarder ceux qui ont géré le pays d'avant, où sont-ils aujourd'hui? Tu oublies que ton père, ton papa à toi, a été fonctionnaire de ce pays-là. Si toi tu as bénéficié de beaucoup de cela, c'est grâce aussi à ton papa. Grâce aussi à notre grand frère Lucédi Camara qui est décédé là, qui était à l'UGAR, à l'assurance UGAR là. C'est-à-dire que vous êtes une bande d'ingrats réunis. Voilà tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, tu ne peux pas te comparer à Dr. Kassori, qui a été premier ministre. Tu ne peux pas te comparer à Felouda Lengalo. Tu ne peux pas te comparer à même à Michel Kamano. Tu ne peux pas te comparer, je suis en train de citer, même l'ancien Akouyaté. Toi, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à l'air, tu ne peux pas. Tu es un prince de façade. C'est-à-dire, on t'a juste mis là-bas parce que tu es un béni, oui, mais en matière de compétences. C'est ce que j'ai dit dans Montréal. Je dis réellement, quittons le débat de convaincre Doumbouya ou pas là. Tu as vu Ouyasanda, son action, Ouyasanda est parti se tirer Doumbouya. Tu as vu la toile, hein. Même les médias étrangers ont vu ça d'une honte. Une honte. C'est-à-dire, je ne sais pas comment la quantifier. Moi, je te rappelle que tous les projets qui sont en exécution, et puis d'ailleurs, comment vous exécutez ces projets-là, sont des projets du PRAC, des projets des gouvernements. Même Yula, tu connais le premier Yula d'Alpha Condé, voilà, qui est dans les mines, là. C'est un fin technicien. Voilà, tu ne peux pas te comparer à des gens comme ça. Est-ce que tu peux te comparer
au premier ministre qui nous a sorti d'Ebola, le premier ministre qui nous a sorti du PPTE, celui qui nous a permis d'être, d'aider ce pays-là à payer toutes ses dettes, Mohamed Saïd Fofana, tu peux te comparer à ce dernier? Voilà des gens qui ont monté des projets et qui ont réussi. Ce qu'on te demande, ce n'est pas de se comparer à quelqu'un. Ce que les autres te demandent là, même tes propres ministres là, c'est de porter, c'est-à-dire c'est de créer des projets, les faire exécuter et qu'on ait un résultat. Mais jusque-là, nous sommes comme ça là. Personne ne connaît un projet venant de toi. Qu'est-ce que vous avez créé? Vous avez signé des contrats avec quelle institution internationale? Rien, zéro. Donc, au lieu de dire que vous avez vu, oui, ils sont en prison, mais ceux qui sont en prison là, normalement, toi, tu ne sais pas pour qu'elles sont en prison. Tu ne sais pas pour qu'elles sont en prison. Tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas pour qu'elles sont en prison. Mais sincèrement, je voudrais te dire, ils sont en prison parce qu'ils ne veulent pas qu'ils parlent. C'est la même chose que les certains ministres font aujourd'hui, comme reproche au professeur à Doumbia. On t'avait dit de ne pas laisser Alpha Condé partir. Et Dieu merci, Alpha Condé, là, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. David, vos propagandes, non, bientôt il va rentrer, ça n'effraie pas. Afrique à Guinée.com, là, l'individu soirée, là. Là non, bientôt Alpha Condé. Mais Alpha Condé, oubliez Alpha Condé. Oubliez-le. Lui, il est en train de tout faire aujourd'hui. Tu sais que Lincoln a dit, il a tellement de branches. C'est-à-dire, Alpha Condé, m'excuse du terme, mais c'est comme une sangsue. Voilà les tentacules, beaucoup. C'est comme ça, il va vous prendre un à un et puis vous mettre quelque part là-bas. C'est tout. Toi, moi, je te demande de te calmer. Doumbouya ne t'a pas choisi. Parce que Doumbouya t'a choisi parce que vous avez promis à Doumbouya. Voilà. Merci beaucoup, ma maman Bita Diallo. Vous, les petites personnes, là, les petits forestiers, là. Je dis bien, je ne parle pas de l'ethnie, je parle de vous. Les petits forestiers qui ont promis d'aider Doumbouya à avoir une image, à lui donner la forêt, patati patata, si Doumbouya était sincère. Moi, là, si j'étais à la place de Doumbouya, là, après tout ce que vous avez raconté, là, je vous ramasse tous pour dire, voilà, le bilan. Il est négatif, la communauté internationale m'a sanctionné, voilà. Et puis, je vous mets tous en prison. C'est tout. Parce que vous l'avez promis, hein, vous avez promis d'envoyer Dadis. Vous n'avez plus Dadis, vous l'avez envoyé, voilà Dadis. Même son grand frère a parlé la dernière fois. Son grand frère, même aujourd'hui, est extrêmement dépassé, jeune, parce que toutes les promesses faites à son grand frère, à la famille, n'ont pas été tenues. Où est Dadis? Le coucher sur un matelas à la maison centrale. Vous comprenez? T'es comparé à nous, là. Moi, regarde ton ministre des Mines. Voilà, ministre des Mines, Magasuba. Est-ce qu'il peut se comparer à son frère Magasuba? Qui a fait avec le professeur Fakonde, le code minier, c'est lui avec le professeur Fakonde. Le code minier, est-ce que vous avez changé le code minier? Voilà des projets. Un code minier osé, je peux dire osé. Parce que c'est avec le code minier là aujourd'hui, c'est avec ça Alpha Condé a envoyé quelqu'un en prison. Hein. Jamais un lobby, un mania des mines n'a été emprisonné par un président africain. Mais Alpha Condé l'a fait. C'est Alpha Condé qui a mis ce monsieur en prison, Béni Stemens. C'est ça aussi qu'on a, c'est ça aussi la valeur d'un homme, d'un chef d'État. Tu comprends? C'est le projet là que vous détenez comme ça. Ou bien en Afrique là, c'est vous qui avez écrit en Afrique. Anaïm, c'est lui qui est en prison là. Les cadres dont tu indexes là, que les cadres, vous avez vu le sort des cadres là. S'ils sont en prison, parce que Doumbouya est un militaire, c'est un criminel. Doumbouya, Kassori est en prison pour certaines personnes. Ce n'est pas pour Doumbouya. Doumbouya l'a mis en prison pour permettre à certaines personnes de se mouvoir tranquillement, de penser gagner le pouvoir facilement. Mais aujourd'hui, ça tourne comme ça, là. J'ai l'impression même Doumbouya préfère libérer Kassori et même s'accrocher à Kassori pour demander pardon. Je pense bien. Donc, toi, tu ne peux pas te comparer à nous. Vous êtes là-bas, la personne de dehors. Vous êtes couché là, vous pensez que de matin, ils vont dire, non, il y a eu coup d'État. C'est pas ça, voilà ton nom. Toi, tu es un cadre. Tu penses que tu es un cadre? Tu as vu, non, c'est ton nom qui figure sur la liste, là, c'est CEDEAO. Voilà, on nous fait comprendre que tu n'iras nulle part maintenant. Si tu veux, demain aussi, il faut dire, viens nous dire que non, la signature là n'est pas la signature d'un responsable de la CEDEAO. Il faut le dire. Voilà ce que vous pouvez.
Maintenant, même votre ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas qui va aller vous défendre. D'ailleurs, non, je m'excuse. La CEDEAO dit qu'ils n'ont plus besoin de réunion technique avec vous. Je m'excuse. Ils l'ont même dit. J'ai même lu le test hier, là. Ils n'ont plus besoin de réunion technique avec vous. À tous les niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Actuellement, là, ils sont en train de voir comment gérer votre cas. Voilà, je me dis que la CEDEAO est en train de préparer une autre junte dans vous. Voilà, je peux dire que dans vous, là, à l'intérieur de vous, elle est en train de préparer une junte. Parce que s'ils disent qu'ils n'ont plus confiance en vous, ils ne peuvent plus faire des travaux techniques avec vous, alors moi, je me demande, qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui devant la communauté internationale? Hey, si vous voulez, Galal n'a qu'à sortir pour dire, nous, on s'en fout de la CEDEAO, on te sort comme ça, là. Vous comprendrez comment les institutions là sont solidaires entre elles. J'avais vu Hawing, le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Il est à la Mecque. Son nom n'est pas dedans. Hein. Il est à la Mecque. Les sanctions l'ont trouvé à la Mecque. À son retour là, il n'a qu'à tout faire pour être dans des activités dans le sens d'aider le CNRD. Son nom va figurer parce que je me suis connecté ce matin là. Au niveau, la liste n'est pas fermée. Ils sont en train d'observer aussi le comportement, l'attitude, je ne sais pas comment, les façons de faire de certaines personnes qui ne figurent pas sur la première liste là. Vous allez figurer une à une sur toutes les listes de la CEDEAO. Et ce qui est marrant et qui est vraiment appréciable, c'est que quand on te met là, il n'y aura plus de papier aussi pour dire non, vous n'êtes plus dedans. Non, non, non. C'est que c'est une suite. Ça, c'est une saleté qu'ils ont mis sur vous. Vous allez un jour vouloir postuler dans les institutions internationales. En tout cas, oubliez la CEDEAO. Parce que dès que vous postulez pour la CEDEAO, on check son nom, on vérifie en ton nom, là, on dit non, il a été un ministre qui a fait, si c'est là, c'est fini. Toi, tu ne peux pas postuler. Et beaucoup de ces anciens ministres-là pensent travailler à des institutions internationales. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas se salir quand ils sont ministres. Quand moi, tu demandes à Benito, là, moi, là, je préfère être un chef de quartier ou bien un député. Voilà, moi, là, en temps normal, partout, soit un chef de quartier ou bien quelqu'un qui gère un projet, point barre. La corruption à votre niveau aujourd'hui, nous ne viendrons pas donner nos documents là, nous gardons nos documents. Tu seras surpris, tu seras le spectateur de certains ministres ou bien impliqué dans certains dossiers. C'est moi qui te le dis, Gomu, c'est promis. N'oublie pas, hein, portez-vous très bien. En attendant là, voilà, ce qui est là, là, je vous dis encore une fois, commandant, le voilà, il va très bien, voilà, il va très bien, on s'est écrit. Voilà, Ablaise, il se va très bien. On dit là, Kassad, tout ça, c'est pour démotiver les gens. Regardez-les très bien. C'est le patron des patrons. Celui aujourd'hui, depuis plus de 4 mois, qui donne l'insomnie à Doumbouya, parce qu'il l'a dit. Voilà. Et Alia aussi, Alia, je peux dire que ce qui a été renforcé autour d'Alia, là, c'est à cause de ses propos, les propos d'Alia envers. Il dit, Otoban Tansouiki, mais grand Ablaise est en Osoumane. Voilà, parce que Mbala Abir, il expliquait comment ça s'est passé. Il a expliqué tout à ce dernier, comment le coup d'état s'est passé. C'est à cause ça, depuis qu'il a... Bala Samoura est venu faire le compte rendu à Doumbouya, qu'Ali a dit qu'il va tout expliquer à Blaise, si c'est là, non, c'est fini. Parce que c'est la façon dont nous parlons, hein, mais le début du coup d'état, là, les préparatifs, là, Ali connaît beaucoup dedans. Donc, il a tout, comment ça s'est passé, le départ, jusqu'à... Certains ont occupé le palais avant même le jour. Parce que lorsque le président Déby du Tchad là, était là-bas le samedi, avec Alpha Condé, certains poussistes qui sont là-bas aujourd'hui là, étaient là en train de regarder les lieux, d'observer tous les coins, Il y a même les. Quand tu prends par exemple Takla, là, lui, il est ancien force, il est ancien garde présidentiel. Il y a beaucoup qui sont anciens gardes présidentiels parmi les forces spéciales. Beaucoup parmi eux sont des anciens gardes présidentiels. Voilà. Donc. Portez-vous très bien. En tout cas, restez tranquille, chers soldats. Commandant Ablaise Sissé va très bien. Il est très en forme. Il ne les écoute même pas. Il ne les calcule même pas. Voilà. Lui, il attend des instructions fermes pour commencer les choses avec ses camarades. Donc, portez-vous.